toilette là, c'est 100 ans que tu vas faire avant de faire une toilette. Comment 100 ans? Quand on a bu là, quand on boit là, on ne veut pas uriner. Tu vas uriner, tu fais plus de 30 minutes, c'est quoi? Tu refuses pour me laisser ici. Et maintenant, je t'ai amené à RM Pro. Je t'ai donné du boisson. Tu veux encore quoi? Ton bébé ne veut pas ça. Hein? Le bébé veut un champagne avec du vin. Le bébé veut? Un champagne avec du vin, non. Et serveuse. Et attends, c'est le bébé qui veut, mais c'est toi qui veux. Non, c'est le bébé qui veut. Il a même précisé que c'est pour RM Pro, il veut. Et allons-y à la maison, on va prendre du champagne. Le bébé a dit que c'est pour RM Pro, tu dis que c'est pour la maison, le bébé va prendre. Tu veux enfreindre les règles de ton bébé encore. C'est bon, c'est bon. Le bébé prend une décision et toi, le père, tu veux contester ça. Quelqu'un ne peut pas ça. Ouvre ça. J'oublie quoi? Ouvre ça, non, champagne. Il ne faut pas que j'ouvre, tu vas dire que c'est le bébé qui va payer. Oh shit! Oh shit! Oh. Le bébé connaît le prix de ça. Tu es son papa, non? Tu ne peux pas payer champagne pour ton enfant. Et le bébé n'est pas encore sorti, tu dis de payer champagne. Il veut prendre ça là-bas. D'abord, il est assis dans son fauteuil, il veut prendre ça. Il a déjà son verre dans sa main. Non. Mmh. Et tu sais, ton bébé a dit que il veut jouer le jeu. Que RM Pro a quoi, salle de jeu de RM Pro, il veut aller là-bas pour jouer le jeu. Il y a aussi Baby. Et ton bébé veut jouer un peu. Le bébé là, en même temps. Il veut se divertir, non? Tu l'as amené ici pourquoi? C'est pour se divertir. Le bébé ne veut plus du champagne, il veut se divertir. Allons dans la salle de jeu là-bas. Et maintenant, quand ils ont amené là, je dois payer. On amène ça à la maison, non? On va jouer d'abord. Attends, on ira jouer plus quand. Quand le bébé est fatigué, il va prendre ça pour dormir. RM Pro. Mon bébé va. Quand il va grandir, là, c'est ici qu'il va travailler. Il va dormir même ici. Hein? Et aussi, c'est ici qu'il va naître. Ok. Tu quittes pour aller ou reviens, non? Tu as déjà payé. Toi, tu connais le prix de ça. Tu connais le prix de ça. On dit à RM Pro, les trucs ne sont pas chers. Tu me demandes le prix, c'est combien même? Ah, c'est pas cher. C'est pas cher. Ah. Si c'est trop, ça, c'est 100 francs. Ça là là. C'est 100 francs. Je dis à RM Pro, là, c'est 100 francs. Ça là là. C'est 100 francs là. Amenez 4 encore. Non, 10. C'est un bébé sous là, non, c'est 10. Un bébé sous là. C'est un bébé sous là. Oui. Et serveuse! C'est 100 francs, tu as dit. J'ai dit c'est 100 francs. Il faut le demander d'amener 10. 10. 10, oui. 10 à 20. Ça va seulement 1000 francs, non? Ouais, bon, ça. Bonsoir. Et sinon, que c'est combien? 100 francs ou bien? Non, c'est à 35 000. Hein? 35 000. Ah, 35 000. Ah, ok. Tu vois que c'est pas cher, non? Non, c'est pas cher. C'est pas cher. Je vous rappelle. D'accord. Comment ça, tu les rappelles? Ton bébé a envie de prendre ça maintenant. C'est 10, tu as dit, non? Service, il faut en rester 10, ça fait 20. Tu amènes ça. Il faut signer chèque. C'est le bébé qui a travaillé sur moi pour que je signe chèque là. C'est toi qui as monté sur moi. Tu as travaillé sur moi pour avoir ce bébé, non? Mais tu n'as pas travaillé. Tu es sûr que tu vas encore accoucher? Tu vas enlever le bébé. Tu es sûr que tu vas encore accoucher après ce bébé là? T'inquiète, on a dit que c'est 10 enfants, on aura. Maintenant, j'ajoute encore 10, ça fait 20. Tu pars où? Reviens, non? Tu pars où? Reviens, non? En tout cas, moi, je vole ça où?